Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Un grand merci pour votre fidélité, vos questions pertinentes et vos commentaires encourageants et fort sympathiques lors de nos dernières visioconférences. Je rappelle toujours l'objectif du Comité national olympique est d'être au service du mouvement sportif marocain en partageant évidemment les valeurs de l'olympisme, que je rappellerai le respect, l'excellence, l'amitié et je rajouterai pour nous la transparence et l'honnêteté. Alors, cette visioconférence s'inscrit aussi dans le cadre de la journée olympique d'hier, le 23 juin. Et à ce sujet, j'aimerais bien vous poser la question, à votre avis, pourquoi nous célébrons la journée olympique le 23 juin? N'hésitez pas à nous faire part de vos réponses dans le chat et je vous donnerai la réponse exacte en fin de la visioconférence. Et peut-être il y aura des choses à gagner. Alors, aujourd'hui, nous abordons l'impact du Covid-19 sur le mouvement sportif au niveau international. Quelles sont les mesures qui ont été prises et quel sera l'avenir de notre sport demain? Pour échanger et pour avoir l'avis des experts, nous avons l'honneur, le privilège, le plaisir d'accueillir aujourd'hui des représentants du sport de différents pays et puis qui ont une vision globale, mondiale du sport. J'ai le plaisir de vous présenter de la Belgique le professeur Thierry Zins. Alors, pour le présenter, il est à la fois membre de la commission de l'éducation du CIO et de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Je pense qu'il est le seul à être des deux côtés. Il est titulaire de la chaire olympique à l'Université catholique de Louvain. Il est président de l'European Observatory of Sports and Employment. Il est aussi auteur et co-auteur de plusieurs livres, entre autres sur la performance des organisations sportives. Professeur Thierry Zins, merci et bienvenue. De la Suisse et du Comité international olympique, nous avons M. Yassine Youssfi. Elle est responsable Afrique au Comité international olympique, chef de la section entraîneur à la solidarité olympique. Monsieur Yassine Youssfi, bienvenue et merci pour votre présence. Du Canada, nous avons Madame Sandra Sassine, de participation aux Jeux olympiques en escrime. Elle est aujourd'hui responsable marketing des athlètes héritage olympien au Comité national olympique canadien. Madame Sandra Sassine, bienvenue, marhaba bik. Il est, je pense, 13h chez vous au Canada. Du Sénégal, c'est bien ça. Du Sénégal, nous avons Dr Mohamed Diop, président de la Fédération sénégalaise de natation, secrétaire général de la Confédération africaine de natation et membre du bureau de la Fédération internationale de natation. Bonjour. Bonjour, docteur Diop. Et enfin, pour le Maroc, nous avons M. Abdeltef Id Mahma, secrétaire général du Comité national olympique et secrétaire général de la Fédération royale marocaine de golf. M. Abdeltef, bonjour et marhaba bik. Bonjour et marhaba Diop. Bienvenue pour tous nos invités. Merci pour votre présence et votre participation à cette visioconférence. Moi, je voudrais vous poser une question très simple. Quel est l'impact de ce Covid-19 sur le sport dans vos pays respectifs et peut-être aussi au niveau international, vu vos fonctions à l'international et vos fonctions au Comité international olympique? Peut-être notre invité qui vient de très loin, qui vient du Canada, Madame Sandra Sassine, peut-être vous pourriez nous donner, je dirais, une idée sur comment ce Covid a impacté le sport au Canada. Tout d'abord, un grand merci pour cette belle invitation aujourd'hui. Bien heureuse de faire partie de ce beau panel. Alors, merci beaucoup. C'est un grand honneur. Évidemment, les répercussions de la COVID-19 sur le sport en général au Canada a été immense. Nos clubs sportifs, autant au niveau communautaire qu'au niveau des entraînements nationaux, ont tous fermé leurs portes.
Donc, on a eu nos athlètes qui ont été confinés chez eux pendant plusieurs semaines. Donc, l'impact a été immense ici au Canada. Et en plus de ça, tous les événements sportifs ont dû annuler comme partout ailleurs dans le monde. Effectivement, merci beaucoup. Les événements ont été annulés. Le plus grand événement, ce sont les Jeux olympiques qui ont été reportés. Monsieur Yassine Youssefi, peut-être vous pourriez nous dire un mot sur cet impact, peut-être aussi comment le Covid a impacté la Suisse. Alors, pour commencer, bonjour à tout le monde depuis Lausanne, depuis la Suisse. J'aimerais brièvement remercier tous les représentants du CNO marocain pour leur invitation. Et saluer au nom du directeur de la solidarité olympique, Monsieur James McLeod, toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, que ce soit les représentants des fédérations nationales, les athlètes confirmés ou les athlètes peut-être moins confirmés, les sportifs occasionnels. Je pense que leur présence en ligne démontre l'intérêt du sujet que vous évoquez là. Maintenant, pour traiter de votre question et pour vous parler peut-être de ce qui s'est passé en Suisse ici, où le CIO a son siège. Les autorités suisses ont décidé d'un semi-confinement à partir de la mi-mars, ce qui veut dire qu'on avait la possibilité de sortir, de se promener librement en respectant les consignes qui nous étaient données de distanciation sociale. On n'a pas eu, par contre, ni de couvre-feu, ni de restrictions, comme c'était le cas, par exemple, vous avez entendu, en Espagne ou en France. Malgré cela, il y avait rassemblements de plus de 5 personnes étaient interdites dans toute la Suisse et les installations sportives, les stades, les piscines, les aires de jeu étaient fermées ou condamnées. Et puis la police se chargeait de faire respecter tout ça avec une amende qui était à peu près de 100 euros pour l'équivalent de 100 euros pour les contrevenants. La population suisse a relativement bien suivi les consignes. Et puis, si je veux rester dans le domaine sportif, ce qui était intéressant, si on parle de l'impact, c'était peut-être un impact positif dont j'aimerais parler là. C'est que la pandémie a fait que beaucoup de gens ne pouvaient plus faire ce qu'ils faisaient d'habitude. Donc, ils ont commencé à sortir. On a eu beaucoup de gens qui ont commencé à faire du jogging, à se mettre au jogging, à la marche, au vélo. Et il y a une foule de gens qui étaient dehors, soit seuls, soit petits groupes de deux, et qui se promenaient à l'extérieur. Donc voilà pour l'impact au niveau suisse. Et puis je pense, et on va en parler certainement, les réseaux sociaux ont aussi été très utilisés pour que les gens fassent de l'exercice soit chez eux, de manière un petit peu structurée, avec des coachs qui se sont tout d'un coup réinventé une vocation à travers les réseaux sociaux, ou sinon des petits groupes qui faisaient de l'exercice juste en ligne, pour se retrouver en ligne. Donc voilà un petit peu pour répondre à votre question au niveau suisse de ce qui s'est passé avec un déconfinement qui a lieu ces jours-ci. Monsieur Yassine Osfi, les Jeux olympiques de Tokyo qui devaient avoir lieu au mois de juillet août 2020 ont été reportés d'une année. Est-ce que c'était un impact très très fort par rapport déjà à l'organisation, mais aussi pour les athlètes qui préparaient ces Jeux? Alors, vous anticipez la suite j'anticipais votre question parce que vous avez parlé de la Suisse et j'allais y venir par rapport au CIO. Alors, bon, nous, au CIO, on a suivi évidemment étroitement les directives, raison pour laquelle aussi je vous ai expliqué un petit peu le panorama suisse, mais on a suivi à la lettre les directives du Conseil fédéral. Ce sont les autorités suisses, et on a donc dû fermer nos bureaux à partir du 15 mars. On a vidé la maison et on a télétravaillé depuis nos domiciles. L'avantage, si je dois dire, c'est qu'on a un peu l'habitude de voyager, ce qui fait qu'on était déjà installé, contrairement à peut-être à d'autres entreprises. On avait nos ordinateurs portables, on avait un système, la technologie qui allait avec. Et on avait un peu l'habitude de travailler hors du bureau. Donc voilà, après cela, et comme vous le dites, le président du CIO a consulté son comité exécutif et a pris la décision, cette décision extrêmement importante,
qui, à mon avis, si on parle ici de l'impact au niveau international, un énorme impact qui est de reporter les Jeux d'une année à l'été 2021. Et c'est pour moi une des conséquences majeures de la pandémie, si je me réfère à votre question. Parce que jamais dans l'histoire, les Jeux n'ont été reportés. Ils ont été certes annulés à deux reprises pour des raisons de guerre, mais jamais dans l'histoire, ils n'ont été reportés. Donc, on vit malheureusement, je dois dire, une période historique. Merci. Je voudrais aller vers Dr Mohamed Diop pour savoir quel a été l'impact de ce Covid sur vos sportifs, sur vos entraîneurs, sur les clubs, surtout au Sénégal. Oui, d'abord, je tiens à remercier le Comité national olympique marocain pour cette belle initiative et j'espère que tout ça va continuer. Alors, l'impact au Sénégal, d'abord, il faut dire que nous, on est rentrés en plein fouet avec ce Covid parce que le premier décédé était un très grand sportif, l'un des plus grands dirigeants, vous l'avez connu, Pape Diouf. Donc, on est rentrés dans le sport et dans le Covid pratiquement en même temps. Donc, ça a été un peu dur et les mesures qui ont été prises, ça a été un état d'urgence, pas de regroupement depuis mi-mars, hein, donc pas de regroupement, un couvre-feu la nuit qui a été progressivement, les heures ont été réduites et pour maintenant, depuis début juin, le déconfinement se fait, même s'il n'y a jamais eu un confinement total, hein, même s'il n'y a jamais eu un confinement total. Alors, voilà, l'impact, c'est d'abord l'arrêt, la fermeture de toutes les infrastructures sportives, pas de championnat, pas de sport, pas d'entraînement, un peu comme partout. Et si je vais un peu plus loin, nous, au niveau de la Confédération africaine de natation, on avait en avril nos championnats d'Afrique qui ont été aussi repoussés sans savoir jusqu'à quand, jusqu'à présent, on n'a pas encore fixé de date. Et pour les championnats du monde qui devaient se faire en 2021, on a laissé la place donc au comité, aux Jeux olympiques de Tokyo, et donc qui vont se faire en 2022. Voilà, c'est un peu partout, l'impact est important, mais je pense, je ne veux pas déjà rentrer sur l'autre aspect, comment les gens ont réagi. On va y revenir, Dr Mohamed Diop. Je rappelle que vous êtes aussi médecin du sport, donc vous nous donnerez peut-être votre double regard, celui de dirigeant sportif, mais aussi celui du médecin. Je voudrais qu'on reste quand même en Afrique et on va rester au Maroc avec Sabtef Ibn Mahmar. Sabtef, quel a été l'impact de ce Covid chez nous sur le sport national? Merci de me donner la parole, c'est Hassan. Mais avant de parler de l'impact, j'aimerais renouveler la bienvenue à nos invités qui nous viennent du Canada, du Sénégal et d'Europe et les remercier de participer à cette action qu'organise le Comité national olympique marocain. Alors, en ce qui concerne l'impact du Covid, j'aimerais souligner trois caractéristiques de cette pandémie. La première, c'est son caractère qui paraissait imprévisible. Même si certains écrits avaient prédit que ce que pourrait affronter l'humanité serait une épidémie. C'est ce qu'avait dit Bill Gates, ce qu'avait dit un rapport des agences de sécurité américaines. Mais imprévisible, on ne s'y attendait pas, même si il y avait des écrits qui en parlaient auparavant. Le deuxième caractère, c'est la rapidité de propagation de ce Covid, parce que l'humain n'avait pas développé l'immunité nécessaire pour le faire. Et donc, très vite, le troisième caractère a pris un caractère planétaire. Et donc, du nord au sud, de l'ouest à l'est, toute l'humanité était concernée. Alors, concernant l'impact au Maroc, très vite, je pense que ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent ainsi que nos invités, savent que le Maroc a réagi très vite par des mesures de confinement drastiques dès le départ, dès le 16 ou 17 mars. Nous sommes juste à peine d'en sortir. Confinement total, avec arrêt total
de l'activité économique avec ce que cela peut supposer comme répercussion sur les couches défavorisées, sur le niveau de revenu des personnes, sur leur consommation. Et donc cela veut dire que globalement l'État marocain a arbitré pour l'humain, en faveur de l'humain. L'économique a été mis de côté. Et pour pouvoir supporter cet arbitrage en faveur de l'humain, il y a eu un impact très fort, c'est l'organisation de la solidarité en faveur des personnes qui en avaient le plus besoin. Cette solidarité a été organisée au niveau étatique. Je pense que l'État marocain a dû, le pactole qui a été récolté avoisine 40 milliards de dirhams, ce qui équivaut à peu près à 4 milliards d'euros ou 4 milliards de dollars. C'est énorme pour un pays tel que le Maroc. Alors, voilà. C'est Abdel Ibn Mohamed, si vous me permettez, on va revenir sur les mesures prises. Je voudrais qu'on reste quand même sur l'impact. J'ai quand même une question pour vous, c'est Ibn Mohamed. Il y a beaucoup de clubs de sport au Maroc qui ont été fermés et on sait très bien que les enseignants, les professeurs vivaient en quelque sorte de ça. C'est un peu informel. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises ou comment ils ont été impactés, ces personnes-là? Comme je l'ai dit, la solidarité a été organisée pour venir en aide à ceux dont les revenus baissaient de façon drastique à cause du confinement. Il fallait passer par là. Et donc, il y a eu un fonds de solidarité nationale qui a été mis en place par Sa Majesté le Roi, que Dieu le garde, et qui parfois a été relayé par des mesures spécifiques prises par chacune des fédérations concernées, comme celle du golf que je connais bien, ou d'autres fédérations qui ont fait la même chose. Merci beaucoup, Sir Abdel. On va revenir sur les mesures, mais je voudrais quand même qu'on reste sur l'impact et qu'on aille faire un petit tour du côté de la Belgique avec professeur Thierry Zins. Professeur, est-ce que vous m'entendez? Très, très bien, Hassan, et je te remercie pour cette invitation. Je remercie aussi mes collègues d'avoir accepté cette même invitation. Et voilà quelques idées à partager à propos de l'impact du Covid sur les Belges et sur le sport en Belgique. Je parlerai d'abord de l'impact sur les Belges avec un début du confinement le 15 mars, comme dans la plupart de nos pays, fait de restrictions extrêmement strictes sur les relations sociales, puisqu'on était globalement confiné à des bulles de 4 personnes en dehors des habitants vivant sous le même toit. Donc vous voyez que c'était très restrictif. Et cela a évidemment impacté l'activité économique, l'activité académique, les écoles et ainsi de suite. Malheureusement, la Belgique a payé un tribut assez lourd au Covid, puisqu'il faut savoir que nous avons connu plus de 9000 décès en Belgique au cours de cette période. Je dois à l'honnêteté de dire que parmi ces 9000 décès, un grand nombre de décès se sont produits en maisons de soins et de repos, et que dans ces maisons de soins et de repos, on a pris tous les décès comme étant liés au Covid. On est actuellement en train de revoir ces statistiques et donc de les ramener quelque peu à la baisse, mais il n'en reste pas moins que chaque décès est un décès de trop. Si je vais du côté sportif, eh bien, dans la partie francophone du pays, la perte totale économique pour les clubs sportifs a été estimée à plus de 64 millions d'euros, et nous reviendrons sur les plans d'aide qui ont été développés par les ministres des Sports en Belgique au bénéfice des fédérations et des clubs sportifs. Alors, je reviens un petit peu sur le propos de Sandra qui rappelait au début que tout le monde avait été confiné. Nous avons pu préserver l'activité de nos athlètes de haut niveau en leur permettant de s'entraîner sous certaines conditions dans les centres de préparation pour athlètes de haut niveau. Donc voilà une petite particularité que nous avons pu préserver dans notre pays. Actuellement, fort heureusement, la décrue est extrêmement importante. Nous sommes retombés à moins de 5 décès liés au Covid quotidiennement et à moins de 50 nouveaux cas par jour pour l'ensemble du pays. Merci, professeur. Ce que je peux résumer par rapport à vos différentes interventions, c'est que le confinement était pratiquement total pour la plupart, partiel pour certains, comme par exemple la Suisse ou le Canada, avec un respect des mesures, ce qui nous a permis
globalement, d'avoir une certaine maîtrise de ce Covid-19. Alors, on a parlé de l'impact. Maintenant, quelles ont été les mesures prises, je dirais, par rapport à cette pandémie? Et je voudrais revenir sur M. Yassine Youssefi, parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui ont été reportés. Est-ce que le CIO a pris des mesures en faveur des fédérations internationales, en faveur des athlètes qui sont concernés et en faveur des comités nationaux olympiques? Merci Hassan. Vous comprendrez bien que ce report qui semble comme ça, mais pour en avoir parlé un peu autour de moi, ça semble relativement insignifiant et assez simple de dire ben, on reporte de 12 ou de 14 mois et puis quoi. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est un énorme problème. C'est comme de rapporter, et l'un d'entre vous l'a cité, des compétitions à une date ultérieure. Ça veut dire remplacer toutes ces compétitions qui doivent avoir lieu pendant les Jeux à une autre date. Donc, un impact absolument énormissime et encore plein de points d'interrogation auxquels nous n'avons actuellement encore pas de réponse. Mais pour répondre à votre question, oui, l'impact a été important et le CIO a réfléchi rapidement à ce qui pouvait se faire. Et notamment a ouvert sa tirelire, si je peux dire, pour supporter les coûts qui vont être liés à ce report et qui le sont déjà. Alors, le CIO va prendre à sa charge une part des responsabilités de l'organisation des Jeux avec Tokyo 2020, pour le prolongement des activités du CIO pour 12 ou 14 mois supplémentaires. Et finalement, pour le soutien au mouvement olympique en général. Et j'y reviendrai après parce qu'on en a parlé aussi là. Il y a les athlètes qui ont été impactés, mais évidemment, leurs fédérations internationales qui ont été lourdement touchées par cette pandémie et par leur fermeture aussi. Donc, on a une grosse enveloppe. Les chiffres sont accessibles, mais une enveloppe qui servira donc en partie à Tokyo. Et une autre enveloppe pour le mouvement olympique pour aider les fédérations internationales, les comités nationaux olympiques et les organisations reconnues du CIO pour leur permettre de survivre, je peux utiliser le terme, je pense, pour maintenir leur sport, pour leurs activités et surtout le soutien aux athlètes parce que ça va être, si les athlètes ne peuvent pas continuer et se préparer pour les Jeux, même Jeux reportés, ça va être un gros problème. Donc, la commission exécutive du CIO a approuvé ce plan financier dans une réunion pour la première fois aussi. Il fallait s'adapter, on parle des conséquences, mais aussi au niveau des réunions. La commission exécutive du CIO s'est réunie virtuellement le 14 mai et tout ce dont je vous parle ici, ça a été communiqué dans la presse et ces informations sont aussi accessibles sur le site du CIO pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient avoir plus d'informations et plus de détails. Donc voilà. Et actuellement, sans faire trop long, le CIO et ses partenaires sont en train de travailler au quotidien pour analyser la situation et évaluer ce qui peut être fait et vraiment étudier au cas par cas. Monsieur Yassine Youssefi, il y a des athlètes qui bénéficient de bourses olympiques. Bien sûr, cette bourse a été prolongée. Est-ce que cette bourse va être prolongée jusqu'aux prochains Jeux olympiques à Tokyo en 2020? Alors évidemment qu'on n'aurait pas pu les abandonner comme ça en cours de route et il a fallu qu'on étudie une prolongation du soutien. Et effectivement, comme vous le dites, nous avons prolongé d'autant les bourses individuelles aux athlètes, mais aussi le soutien au sport d'équipe qu'on apporte. Et ça, c'est peut-être moins parlant comme ça directement, mais on a aussi tenu compte de l'aide à l'équipe des réfugiés qu'on est en train de mettre en place. Donc, c'est les trois thèmes directs pour lesquels nous avons mis des fonds et alloué des subsides pour poursuivre l'aide à ces gens-là. Et puis, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a aussi augmenté l'aide qu'on peut apporter au CNO dans leur préparation au jeu parce qu'ils auront des dépenses supplémentaires pour se préparer à cette échéance-là. Et certains doivent, je ne vais pas multiplier les exemples, mais racheter des billets d'avion, se réorganiser complètement, etc. etc. Donc, tout ça, pour vous dire, c'est des exemples que je cite, mais c'est tous ces petits exemples qui font que ça fait un gros, gros problème au final. Ce sont des aides bien spécifiques par rapport à des programmes bien précis, si j'ai bien compris.
Exactement. Alors, ces aides, ce n'est pas des aides à monsieur et madame tout le monde, c'est des aides aux athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux ou qui vont peut-être l'être ou qui seront remplacés, peu importe. Et encore une fois, c'est les comités nationaux olympiques, comme le comité olympique marocain, avec qui nous sommes en contact au quotidien et avec qui nous apportons de l'aide. Et eux, ensuite, parlent à leur fédération nationale et les CNO, je veux dire, parlent à leur fédération nationale et à leurs athlètes et à leurs équipes. C'est vraiment une procédure qui est très réglementée et qui est suivie assez simplement par les 206 CNO avec qui nous travaillons au quotidien à travers le monde. Juste une question par rapport aux Jeux Olympiques à Tokyo en juillet août 2021. Est-ce que le nombre de sports restera le même ou est-ce que vous allez envisager éventuellement de réduire les sports participants? Non, la décision est d'où aussi tous ces problèmes à résoudre, toutes ces questions qui se posent. C'est vraiment que la volonté du président du CIO et du comité exécutif et des membres en général, c'est de faire vraiment un copier-coller et de reprendre exactement les Jeux comme ils étaient prévus maintenant dans quelques jours, comme ils auraient dû commencer en temps normal, de prendre exactement la même chose et de les faire en 2021, avec en plus les impacts dont on parle actuellement, qu'il faudra prendre en compte et que nous devons prendre en compte déjà maintenant. Une dernière question, M. Yassine Youssoufi. Vous êtes responsable du continent africain. Quelles sont les mesures que le CIO a apportées à l'Afrique? Alors, on a, comme je le disais, on a pris des mesures au niveau mondial. Pour l'Afrique en particulier, moi, je suis en contact aussi quasi quotidien avec l'ACNOA, l'Association continentale des CNO africains, et des mesures sont prises aussi au niveau de l'ACNOA pour aider des athlètes. L'ACNOA, vous le savez peut-être, a aussi un programme de bourse propre à l'ACNOA pour les athlètes pour Tokyo 2020, et ils vont prolonger aussi ces bourses-là pour permettre aux athlètes de continuer à se préparer pour malgré le report. Ça, c'est un des exemples, mais on en a plein avec lesquels on fait ça, sachant aussi, comme vous l'avez dit, le secrétaire général l'a évoqué, les cas sont différents dans l'Afrique, avec des pays qui ont été totalement confinés, d'autres moins, des athlètes qui ont pu s'entraîner, d'autres pas du tout. Donc voilà. Merci. On travaille vraiment au cas par cas. Merci beaucoup. Professeur Thierry Ziz, vous êtes membre du Comité international olympique. Que pensez-vous de ces mesures prises par le CIO et puis quelles étaient aussi les mesures prises chez vous en Belgique? Je crois qu'au niveau du CIO, il y a une considération principale qui est de mettre l'athlète au centre des débats. Et je pense que ce que Yassine nous a résumé est tout à fait clair. Il s'agissait bien de préserver la participation des athlètes aux Jeux olympiques dans les meilleures conditions possibles. Alors, nous espérons tous que les Jeux auront effectivement lieu en 2021. Personne n'est dans le scénario où ils n'auraient pas lieu, même si je crains que chacun d'entre nous l'ait dans sa réflexion. Alors, s'agissant du sport en Belgique, et peut-être pourriez-vous mettre les slides que je vous ai fournis à ce sujet, l'idée a été de pratiquer un déconfinement progressif du sport. Et pour pratiquer ce déconfinement progressif du sport, nous avons imaginé 5 phases. Les 3 premières phases sont actuellement échues. Dès le début du confinement, c'est-à-dire au 15 mars, la pratique isolée selon un certain nombre de règles a été autorisée. Et encore une fois, comme Yassine le soulignait pour la Suisse, nous avons vu et nous avons fait des enquêtes à ce sujet-là, un impact positif sur les activités sportives individuelles telles que le jogging, la marche et le vélo, où effectivement un certain nombre d'individus se sont remis à l'activité physique. Dans un deuxième temps, à partir du 1er mai, nous avons autorisé, avec des règles qui sont résumées dans le petit panneau de la phase 2 au milieu de ce slide, nous avons autorisé les sports sans contact. Et au 1er juin 2020, nous avons autorisé les sports avec contact sous certaines conditions. Alors, nous sommes actuellement sur le slide suivant qui vous rappelle quels étaient les sports avec contact autorisés dans la phase 3. Et je voudrais en venir à la phase 4, estimée au 1er juillet, mais validée aujourd'hui,
il y a quelques heures. Et donc, nous ne sommes plus dans le principe. Nous permettrons, à partir du 1er juillet, une pratique sportive sans aucune restriction, avec du public jusqu'à 200 personnes maximum assises dans le respect des distances de sécurité. Les activités sportives organisées et encadrées par un responsable, cours, entraînement, stage sportif, pourront monter jusqu'à 50 personnes, encore une fois sous couvert du respect des distances sociales, et nous allons réouvrir, sous conditions bien précises, les piscines et j'ajouterai les lieux culturels, puisque le sport, pour moi, reste un élément de notre culture. J'ajouterai également que ces restrictions à 200 personnes devraient passer à 400 personnes au 1er août et à 800 personnes au 15 août, sous condition, bien évidemment, que la pandémie reste maîtrisée comme elle l'est actuellement. Et pour les amateurs de football, et statistiquement, il doit y en avoir quelques-uns parmi vous, je dirais que le football au plus haut niveau, c'est-à-dire le football professionnel, pourra reprendre son cours à partir du 1er août, sous certaines conditions pour les spectateurs. Merci, professeur Thierry Zins. Je voudrais faire réagir Madame Sandra Sanas sur les mesures prises. Sassine. En... Oui, merci. Écoutez, de notre côté, dès l'annonce de la fermeture des centres d'entraînement nationaux, des clubs, pour nous, et l'annonce que les Jeux allaient être remis dans un an. Écoutez-moi, notre priorité était de vraiment, dans cette mesure de distanciation où que tout le monde est loin un de l'autre, de sentir qu'on est tous ensemble dans cette situation d'incertitude. Donc, on a créé un centre de rassemblement en ligne où toutes les informations, les ressources qui étaient nécessaires pour comment avoir un support au niveau de leur santé mentale, au niveau même autant au niveau des athlètes, autant au niveau des entraîneurs, des fédérations, même des parents avaient accès à ces ressources-là pour s'assurer que ils se sentent qu'ils sont connectés et qui ont un appui de notre côté. On a aussi établi des appels qui étaient en fait pour tous les athlètes qui avaient envie d'entendre un peu sur nos procédures, sur qu'est-ce que l'avenir nous projette, qu'est-ce qui était disponible pour eux. On avait des appels à toutes les semaines. Donc, ces suivis-là étaient vraiment indispensables, autant au niveau de nos athlètes du côté olympique que paralympique. Donc, on a travaillé vraiment étroitement avec le comité paralympique pour assurer qu'on a une collaboration, mais aussi qu'on offre les mêmes outils pour tout le monde, pour les fédérations autant que pour les athlètes. Donc, ça a été hyper important. J'aimerais juste mettre un peu plus d'emphase du côté des athlètes, puisque moi, en étant une ancienne athlète qui a fait 28 ans d'escrime, je peux même pas commencer à m'imaginer comment les athlètes ont pu vivre cette situation-là. Mais j'ai pu observer, j'ai pu écouter, j'ai pu entendre. Donc, évidemment, il y a eu plusieurs phases de leur côté et c'est sûr qu'un choc énorme de rester, de devoir rester à la maison, de pas pouvoir pratiquer leur sport comme ils sont habitués de le pratiquer, c'est énorme. Mais je peux vous dire que j'ai été extrêmement fière de voir comment nos athlètes canadiens ont eu envie de faire partie de cette grande équipe qui est beaucoup plus que l'équipe olympique ou paralympique, mais cette équipe de 37 millions d'habitants canadiens. Et de dire que l'enjeu est plus grand et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'on suit les mesures de sécurité et qu'on puisse continuer à s'entraîner d'une façon sécuritaire. Donc, ça a été vraiment impressionnant de voir nos athlètes agir dans cet environnement-là. Et voilà. Donc, c'est impressionnant de pouvoir soutenir ces athlètes-là qui s'entraînent
et qui ont encore le même objectif pour la plupart, parce que comme vous le savez, un an de plus peut aussi dire « ben moi, je prends ma retraite ». Mais c'est ça la vie. Mais pour ceux qui ont décidé de poursuivre leur chemin vers Tokyo 2021, vraiment, on est là pour eux. Et c'est certain que la prochaine question va être de voir comment on voit le futur et puis les mesures qu'on prend pour le retour au sport dans un milieu sécuritaire. Je pourrais en parler pour la troisième question, mais il y a beaucoup de soutien, surtout au niveau de la santé mentale qui a été mise en place pour autant au niveau des athlètes, autant au niveau des entraîneurs, pour s'assurer qu'ils puissent passer à travers cette période-là qui est très difficile. Justement, Madame Sandra Assassine, nous avons remarqué que beaucoup d'athlètes ont été impactés sur le plan mental, beaucoup de doutes, il n'y a pas de visibilité, beaucoup d'anxiété et aussi beaucoup de troubles du sommeil. Quelles sont les mesures ou les actions concrètes que vous avez mises en place? Parce que je sais que vous êtes très proche des athlètes. Oui, exactement. Donc, on a un programme qui est là depuis quelques années qui s'appelle Plan de match, qui est là pour accompagner nos athlètes au niveau de la santé mentale, au niveau académique. Mais, et ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné accès à notre équipe médicale et on a eu des conférences qui ont pu leur donner des outils, les outils. Et vous avez raison, le trouble du sommeil, l'anxiété a été un des points les plus marquants et les plus importants et les sujets les plus discutés au niveau de ces séances pour justement assurer qu'il y ait des outils qui puissent être là offerts pour qu'ils puissent essayer de vraiment naviguer dans cette période d'incertitude. Est-ce qu'il y avait aussi des accompagnements individualisés de vos athlètes? Écoutez, chaque sport est différent. Chaque service a été donné différent, mais le programme Plan de match, nos athlètes avaient accès à une ligne directe pour pouvoir parler avec des professionnels et avoir ce soutien au niveau de la santé mentale, autant au niveau de la nutrition, tout ça. Donc, mais le côté de la santé mentale, pour nous, était une priorité. Merci beaucoup, Madame Sandra Assassine. Merci beaucoup. Je voudrais faire réagir Dr Mohamed Diop par rapport, vous êtes aussi médecin du sport, comme j'ai dit tout à l'heure. Quelles sont les mesures qui ont été prises au Sénégal et quel est votre point de vue de médecin aussi? Oui, mon point de vue de médecin, je voulais le réserver à la dernière par rapport aux perspectives. Mais déjà, pour revenir aux mesures prises, il faut bien comprendre que nous, là où les gens ont une courbe descendante, nous, notre courbe est encore ascendante. Pour dire qu'entre le 1er mars et le 1er mai, on n'avait que 1000 cas, et aujourd'hui, on est à 6000 cas avec 3 morts par jour, alors qu'on en avait un tous les 4-5 jours. Donc, jusqu'à présent, les frontières sont fermées. Elles devraient réouvrir le 30 juin. L'État sénégalais avait fait un appel à la solidarité nationale et voilà, c'est pour un peu rejoindre ce qui était dit par le secrétaire général du Maroc et c'était d'un montant de 2 milliards de dollars, ce qui est très important pour l'impact que le Covid aurait fait. Et le sport quand même, malgré tout, a tenu à participer à cet appel à la solidarité nationale. Et l'État va certainement aujourd'hui aider les fédérations parce que l'impact aussi est très important au niveau du sport. Au niveau plus terre à terre, au niveau des fédérations, par exemple, moi, contrairement à ce que l'on a dit, les problèmes mentaux, nous, nos sportifs, nous ont agréablement surpris. Agréablement surpris parce que ce sont en général des leaders, ce sont des gens qui se disent « nous devons rendre quelque chose au sport ». Et très rapidement, il s'est constitué au niveau des réseaux sociaux. Les athlètes qui
en utilisant les réseaux, faisaient des mouvements, apprenaient aux gens comment faire du sport à la maison. Et ça a été pour eux, je pense, une occupation parce que tout ce qui est problème psychologique, dépression, c'est un peu lié au manque d'activité. Et il fallait se rendre utile et on a constaté qu'ils ont joué en tout cas ce rôle. Au niveau des clubs, les gens ont commencé à faire du vélo, ont commencé à nager à la plage parce qu'ils n'avaient pas accès aux piscines. Donc, il y a eu une dynamique et on a trop souvent, et je le pense, sous-estimé la capacité de nos sportifs, de nos coachs. Et je crois que c'est l'un des points positifs de ce Covid. Ça a réveillé les potentialités. Et à tous les niveaux, je pense que c'est quelque chose qui est à retenir. S'il y a deux choses à retenir dans les mesures qui ont été prises, et ça, c'est un peu partout dans le monde, c'est une communication forte et un engagement des sportifs. Et par rapport à la communication, que ce soit au niveau de notre confédération, on s'est plus réunis pendant cette période, bien sûr, en utilisant la technologie ici, que habituellement où on se réunissait que quand on voyageait. La Fédération internationale de natation a eu à faire un boulot intense avec plein de sessions de formation, une trentaine, une formation des coachs. Donc, tout ce temps a été rentabilisé et je pense que c'est l'un des points forts. Et à la limite, je me dis que le COVID a plus eu de points forts que d'impact négatif. Et ça, je pense que c'est ce qu'on peut retenir. Pour le moment, nous sommes en discussion avec notre ministère pour voir comment reprendre les entraînements, au moins pour l'élite, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on perde du temps par rapport aux autres. Je crois que le COVID avait permis de réduire les écarts entre pays développés et pays sous-développés, et il ne faut pas que l'on traîne. Et il faut, en respectant les mesures barrières, pouvoir permettre à notre élite de commencer à se préparer parce que les objectifs arrivent, les JO, c'est dans très peu de temps. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je pense que si c'est par rapport à la santé, je pense qu'il y a eu un engouement terrible. Effectivement, à Dakar, on a vu pendant cette période beaucoup de gens faire du vélo. On a vu ceux qui ne marchaient pas faire de la marche. Donc, paradoxalement, ceux qui étaient confinés avaient envie de faire du sport. Et ça, c'est un acquis et je pense qu'il va falloir continuer à maintenir cela. Et bon, on peut revenir. Oui. Est-ce que les mesures de sécurité ont été respectées par rapport à cet engouement des gens pour le vélo et pour la marche à Dakar? Alors, au début, oui. Je peux dire que pendant les deux premiers mois, quand des petites mesures, quand on a réduit la restriction, il est réel que les gens se sont un peu laissés aller. Je crois que c'est arrivé aussi en France avec la fête de la musique, etc. À ce jour, les gens se laissent aller alors que nous sommes en phase ascendante. Et ça, c'est et bon, il y a une forte communication par rapport à ça. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les sportifs ont beaucoup participé à la sensibilisation. Nous avons un football populaire, qui est un football qui se joue dans tout le pays. Et ce football populaire a vraiment fait un boulot extraordinaire en termes de sensibilisation. Donc, nos sportifs ont été acteurs de la lutte contre le Covid. Et ça, c'est quand même une fierté pour nous, je pense. Docteur Mohamed Diop, une dernière question. Vous êtes, je le rappelle encore, vous êtes médecin. Donc, c'est bien l'engouement, c'est bien la reprise du sport. Mais est-ce que vous dites à tous nos sœurs, frères qui nous écoutent au Sénégal en particulier et que je salue au passage, reprenez du sport, mais avec les mesures de sécurité et d'être assez vigilant, ce n'est pas encore maîtrisé à 100%. Tout à fait, tout à fait. C'est le discours, c'est pour ça qu'il faut que ça se fasse étape par étape. Je pense qu'aujourd'hui, la reprise du sport doit se faire avec l'élite, ce ne sera pas les clubs, etc. Et ensuite, pour le grand public, les gens portent le masque quand ils marchent quand même, il y a des rappels. Je pense que c'est ce message-là que l'on transmet. Mais au-delà de ça,
quand on voit le COVID, ces acquisitions, on a toujours recommandé en termes de nutrition de manger cuisiné. Le confinement a amené les gens à arrêter le fast-food. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le confinement a ouvert les yeux par rapport aux problèmes de l'environnement. Docteur, là où il y avait la pollution. Extraordinaire, c'est qu'ils ont commencé à préparer à manger à la maison, c'est ça? Voilà, c'est ça qui est. Et de plus en plus, donc, il faudra surfer. Et c'est le sport, le COVID, qui devra surfer sur toutes ces choses-là. Rien que l'environnement, les gens se sont rendus compte que leur ville n'était pas polluée. Et aujourd'hui, je pense que ça va réveiller certains maires et certains pouvoirs publics en disant faisons une ou deux journées sans voiture. Ça sera beaucoup plus facilement accepté aujourd'hui, vu que nous l'avons vécu pendant 2 mois et tout le monde a vu le bénéfice de ce qu'on a eu par rapport à cette question. Merci, docteur Mohamed Diop. On va rester sur les mesures prises et je voudrais faire réagir si Abdeltaif Ibn Mahamar pour le Maroc. Quelles ont été les mesures prises et comment ça a été accepté? Écoute, c'est Hassan. Avant de te répondre directement, je voudrais remercier docteur Mohamed Diop pour son optimisme que je partage parfaitement. L'être humain a du génie de se sortir des situations difficiles et je pense que le Covid est une opportunité, crée pour lui des opportunités qu'il va pouvoir saisir et je crois que j'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Maintenant, pour revenir aux mesures de façon détaillée. D'abord au niveau national, je rappellerai la création de ce fonds de solidarité qui a été relayé par les différentes fédérations qui a concerné au niveau national l'ensemble des personnes qui sont en précarité, qu'elles soient dans l'économie formelle ou dans l'économie informelle. Ce fonds de solidarité a concerné tous les Marocains. C'est un acte d'un très grand courage que je salue et que je ne cesserai pas de saluer. Maintenant, au niveau sportif, nous avons relayé ce que le CIO a fait et la CNOA a fait et fait en général en direction des athlètes, puisque les aides aux athlètes passent nécessairement par nous. Et j'en profite pour remercier le CIO, la CNOA et même la CNO parfois, pour avoir permis que les aides puissent être continuées, sinon amplifiées, en direction des athlètes. Ça, c'est la première mesure, c'est-à-dire le relais. Nous avons continué à assurer le relais entre les organisations internationales et nos athlètes marocains. Nous avons intensifier les aides que nous apportons directement via des conventions aux fédérations. Et je rappellerai que c'est toi qui t'en occupes, assez Hassan. Donc l'aide directe a été maintenue. Maintenant, l'action en faveur des athlètes a visé trois objectifs principaux. Nous avons essayé de briser l'isolement de l'athlète, de ne pas le laisser seul face à ces incertitudes qu'a provoqué le Covid. Nous avons essayé, dans un deuxième temps, ou en même temps, simultanément, d'encourager, de faire partager la créativité. L'athlète se trouve du jour au lendemain dans des conditions particulières où il ne peut pas pratiquer son sport. Et nous avons encouragé vis-à-vis les athlètes à faire des vidéos pour partager avec eux comment ils peuvent être créatifs pour pouvoir continuer à s'entraîner. Et nous avons assuré une très large diffusion de ces vidéos. Et nous avons enfin enrichi la réflexion et l'échange sur les préoccupations majeures des athlètes à travers des visioconférences comme celle-ci. Celle-ci, ce n'est pas le thème particulièrement pour les athlètes, mais des vidéoconférences qui concernent
qui ont porté sur la nutrition, sur la préparation physique, sur la préparation mentale, sachant que ce sont les préoccupations, comme je l'ai dit, les préoccupations majeures des athlètes. Nous avons essayé de coller à ces préoccupations à travers tous les thèmes que nous avons abordés. Alors, ces visioconférences, on a accéléré le rythme à partir du mois de mai, parce qu'avant, nous ne savions pas combien de temps le confinement allait durer. Mais comme nous avons constaté qu'on s'y est installé, nous avons multiplié nos efforts. Maintenant, quid du déconfinement ? Nous sommes juste à l'entrée du déconfinement. Ce n'est pas planifié avec la même rigueur, la même finesse que ce que j'ai entendu dire par notre ami Thierry. Tout ce que le Maroc a décrété, c'est l'ouverture des sports individuels. Les sports collectifs ne sont pas encore autorisés. Tout ce qui est sport en plein air est autorisé. Mais je pense que dans les semaines qui vont, ou la semaine, ou les deux semaines qui vont venir, notre ministère des Sports va pouvoir s'atteler à préciser de façon un peu plus le déconfinement pour l'ensemble des sportifs. Voilà. Merci beaucoup, Saab Tefid Mahamma. Je rappelle aussi que, en plus de vos fonctions de secrétaire général et du comité olympique et de la Fédération royale marocaine de golf, vous êtes coach professionnel. Est-ce que le coach peut nous dire comment il voit l'avenir du sport national ? Alors, je suis coach de manager, pas de coach de sportif. Justement, en termes de manager du sport national. D'accord. Alors, en fait, depuis que je suis au niveau du comité olympique, et tu le sais bien, le souci principal est de faire en sorte que les compétences managériales, les compétences sportives, aussi bien des dirigeants que des accompagnants sportifs, puissent être améliorées. Nous voulons également améliorer le travail en commun. J'aborderai certainement tout à l'heure le rapport entre le coach, l'accompagnateur et le coaché qui est le sportif, qui vont totalement changer de nature. Auparavant, c'était du présentiel. Maintenant, ça va se faire de plus en plus à distance et ça nécessite une remise en cause fondamentale de la relation entre le coach et le sportif. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Merci beaucoup, Saab Tef. Justement, sur cette question, quel sera l'avenir de notre sport, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau international, j'aimerais bien aller vers Dr Mohamed Diop. Quel est votre regard et comment vous voyez le sport en Afrique de demain, et particulièrement au Sénégal ? Oui, c'est le sport, je pense que il va falloir beaucoup plus de moyens. Ça, c'est un gros problème. On a tendance à dire le sport, on parle de sport de haut niveau. Bon. Si on parle de sport à la base, etc., je crois que les perspectives sont bonnes, l'engouement est bon, il y a les JO 2022 qui arrivent dans 2 ans. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de difficultés et nous avons un peuple extrêmement sportif. Et tous les jours, nous sommes en train de convaincre les gens qu'il faut faire du sport. Vous savez, quand vous dites aux gens, si vous faites du sport, vous évitez les maladies cardiovasculaires, etc., quand le COVID arrive et que le COVID ne tue que les diabétiques, les hypertendus et les obèses, là, c'est direct. Et les gens se rendent compte rapidement que tout ce qu'on disait, c'est une réalité. Donc maintenant, il faudra éviter d'être hypertendu, il faudra éviter d'être diabétique, il faudra éviter d'être obèse. Et ça passe par le sport. Donc je pense que ce sport-là, je n'ai pas trop d'inquiétude. Il grandit, il grandira. Et en Afrique, de plus en plus, il va se développer. Alors, par contre, le sport de haut niveau, ça, c'est la grosse question. C'est la grosse question. Ça nécessite forcément un accompagnement des fédérations internationales. Ça nécessite un accompagnement, bien sûr, du CIO. Il y a de belles initiatives qui se font. De plus en plus, nos sportifs ne vont pas
dès qu'ils sont bons à l'étranger pour être performants, les fédérations internationales ont compris qu'il fallait mettre des centres dans nos pays. Et ça se fait. La Fédération internationale de natation a fait un centre à Dakar. Il y a d'autres centres qui existent dans tous les pays africains. Je pense que c'est ça la voie. C'est ça la voie pour qu'un sport de haut niveau naisse en Afrique. De sport de haut niveau, docteur Mohamed Diop, le Sénégal doit accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse en 2020. Est-ce que, à votre avis, après la pandémie... 2022. Est-ce que après cette pandémie, les Jeux vont être maintenus à Dakar? Pour le moment, rien n'est changé au planning. Les Jeux devront être maintenus. Mais on le disait tout à l'heure, on est tous optimistes, on croit tous, mais on ne maîtrise vraiment pas l'avenir. Mais je pense que les Jeux olympiques auront lieu l'année prochaine, les JOJ auront lieu en 2022. La préparation se fait. Malheureusement, il y a eu 3-4 mois où l'un des impacts du Covid, les réfections qui devaient être faites, les stades qui devaient être construits vont prendre du retard, mais je pense que tout se fera à temps et au bon moment. Et le Sénégal sera prêt pour organiser les JOJ 2022, les premiers JOJ africains. Merci pour votre optimisme, docteur. Alors, je voudrais aller voir du côté du Canada avec Madame Sandra Assassine. Est-ce qu'il y a le même optimisme? Comment voyez l'avenir du sport au Canada après cette pandémie, bien sûr? Oui, effectivement, parce qu'en ce moment, c'est très diversifié. Vous savez, le pays, il est énorme, il est immense et chaque province a ses propres décisions à prendre et on est tous à des étapes différentes. Par exemple, le judo, l'équipe nationale en ce moment, qui est habituellement basée ici à Montréal, en ce moment sont en Alberta parce que là-bas, déjà, ils sont rendus à l'étape d'accepter les combats entre personnes. Donc, vous voyez, c'est très, très différent d'une province à l'autre. Donc, de notre côté, c'est certain qu'on a ciblé le besoin au côté financier. Donc, le gouvernement, donc le fédéral, a décidé d'investir 72 millions pour le sport, pour aider justement au retour au sport. Donc, ça, de base, ça a été annoncé il y a quelques semaines. Et nous, du côté du comité national, avec le comité olympique paralympique canadien et le programme Anoum Podium, on a décidé d'ajouter un 5 millions pour justement supporter, accompagner les fédérations dans ce retour sécuritaire dans le sport. Donc, comme les autres invités, on est très optimistes par rapport aux compétitions qui vont avoir lieu dans les prochaines années. Mais c'est certain qu'on va mettre de l'avant la sécurité de nos athlètes, la santé des sportifs. Ça va toujours être la priorité. Et puis voilà, on reste quand même très optimiste. On assure de faire bien les choses aux étapes nécessaires, en ayant les étapes nécessaires. Merci beaucoup. Professeur Thierry Znout, vous êtes aussi un spécialiste de l'innovation. Comment vous voyez l'avenir du sport et comment on peut innover après cette pandémie? Mais je dirais que j'ai une approche assez parallèle à celle du secrétaire général du Comité national olympique marocain, à savoir, ben, de par ma démarche académique, je suis amené à former des managers pour le sport. Et je m'étais permis, il y a une quinzaine de jours, de rédiger une carte blanche qui a été publiée dans un grand journal belge, et que j'avais intitulé « Déconfiner le sport, oui, mais pour un mieux ». Et j'y avais envisagé trois domaines. J'y avais envisagé le sport-spectacle, dont je disais qu'il était fragile de ses excès, le sport fédéral, c'est-à-dire le sport compétitif, dont je disais qu'il était un acteur majeur de la cohésion sociale, et le sport-loisir, c'est-à-dire le sport en dehors des structures sportives classiques, que je présentais comme un outil de santé publique. Et par rapport au sport-spectacle, ce qui me frappait, c'est que la crise que nous vivons actuellement a montré un équilibre extrêmement trompeur entre, d'une part, les droits de télévision et les salaires des sportifs. Et qu'il y avait là, certainement, face à cette fragilité de trésorerie, un travail à faire que le Covid avait une fois de plus révélé. J'avais aussi mis en évidence le fait que
Le sport, au nom de sa glorieuse autonomie, a parfois tendance à oublier que derrière la loi sportive, il y a une loi publique et que la loi publique s'impose à tous. Alors, je voudrais rebondir sur un des propos qui a été tenu tout à l'heure par plusieurs d'entre vous. Je dois dire que nos sportifs de haut niveau ont été des exemples au cours de cette période pour la population afin d'encourager les gens à respecter les gestes barrières, à s'engager dans de l'activité physique. Et donc, je pense qu'on doit leur payer un certain tribut. Du côté du sport fédéral, et je ne me suis pas appesanti sur la dimension comité olympique, même si j'ai été pendant 16 ans le vice-président du comité olympique belge, parce que je pense que Sarah et Mohamed et le secrétaire général du comité olympique marocain l'ont fait beaucoup mieux que moi. Mais je pense que du côté du sport fédéral, il ne faut jamais oublier que nous représentons avec le sport fédéral un acteur majeur de la cohésion sociale et que le soutien au tissu des clubs est essentiel pour pouvoir continuer à évoluer positivement. On a plaidé, et ça a été admis par nos hommes politiques, pour une souplesse dans l'affectation des subventions aux fédérations sportives, pour un certain nombre de mesures, et en même temps pour un appel à la responsabilisation par le développement d'un centre de connaissances dont je dirais les posters que je vous ai montrés sur le déconfinement sont un produit direct. Et enfin, le sport loisir, eh bien, je dirais que le COVID nous a amené à voir naître de nouvelles façons de faire du sport, à voir des tutoriels mis en place par des sportifs au bénéfice de monsieur et madame tout le monde, à voir se développer des guides, des applications pour accompagner les individus dans leur pratique sportive. Nous avons vu les professeurs d'éducation physique, dont les écoles étaient largement fermées, prendre un rôle dans la société pour encourager les citoyens à avoir ce que j'appellerais des pratiques sportives personnelles. Et enfin, ce COVID a été également le révélateur d'un ensemble de politiques innovantes, notamment dans les modes de déplacement, les déplacements multimodaux, les déplacements doux, comme on dit. Et le COVID a été l'occasion de ramener tout cela sur la table. Et donc, comme le disaient plusieurs d'entre vous et comme le rappelait Abdelatif, je pense qu'il y a vraiment une perspective qui est ouverte par cette crise, par cette pandémie, et que nous devons exploiter les acquis de ce drame pour être plus forts à l'avenir, au niveau sociétal, mais également au niveau sportif. Et peut-être que tout à l'heure, on prendra la dimension mondiale pour le sport, et je te reviendrai, Hassan, avec deux, trois idées à ce moment-là. Merci beaucoup, professeur Thierry Zins. Justement, en parlant de la dimension mondiale, je voudrais aller vers M. Yassine Youssefi pour voir comment le Comité international olympique envisage l'avenir du sport. Est-ce qu'il y aura des changements fondamentaux ? Je pense que je rejoins ce qui a été dit par les précédents intervenants et Thierry qui vient juste d'en parler. J'aimerais juste vous citer une phrase du président du CIO, Thomas Bach, qui évoque la crise en disant « Le mouvement olympique fait face à un défi sans précédent. Le CIO doit organiser pour la première fois des Jeux olympiques reportés et doit aider ses partenaires à surmonter cette crise mondiale. Cette situation inédite exigera que nous nous montrions solidaires, créatifs, déterminés et flexibles. Nous devrons tous faire des sacrifices et des compromis. Des circonstances extraordinaires appellent des mesures extraordinaires et cette situation exige que chacun d'entre nous fasse sa part et cela vaut pour nous tous, y compris le CIO. » Donc, je retrouve moi dans cette citation un peu tout ce qui a été dit et pour revenir à ce qui se disait là, je pense que le sport mondial, oui, va changer. J'évoquais tous les faits. Alors, je partage l'optimisme qui a été évoqué par Mohamed Diop et par Thierry Zint et les autres, mais je resterai relativement prudent par rapport au fait et au fait que, par exemple, je constate que il y a des tournois de Roland Garros, par exemple, qui a été reporté. Il y a le Tour de France qui va avoir lieu en septembre. Je croise les doigts pour que le temps le permette parce que normalement ils ont des températures et qui sont un peu plus clémentes. Donc on verra en automne ce que ça va donner.
Il y a Wimbledon qui a carrément été annulé. Mais c'est des exemples que je vous cite, mais tout ça, pour moi, aura des effets, de toute façon, sur la suite. Et j'ai tendance à dire, mais c'est une réflexion personnelle, c'est un tsunami qui s'est formé pour l'instant au large, et la vague, elle n'est pas encore arrivée sur le rivage. C'est mon interprétation à moi, parce qu'il va y avoir des effets qui vont être évidents. Je donne l'exemple là du calendrier simplement. Un dernier exemple tout bête, vous savez qu'il y avait, pour ceux qui aiment l'athlétisme, les championnats du monde de Eugene en Oregon, prévu exactement à la date à laquelle vont se tenir les nouveaux jeux. Enfin, c'est les mêmes jeux de Tokyo 2020. Résultat, la Fédération internationale d'athlétisme a dû reporter ces championnats du monde. Et ça, c'est un exemple parmi je ne sais combien d'autres qu'on parle au niveau international, mais je suis sûr qu'au niveau régional et au niveau national, vous en avez aussi un nombre incalculable d'exemples de choses qu'il va falloir maintenant. Et l'optimisme que j'ai, c'est qu'on va sortir de cette crise maintenant contre sanitaire. Donc, une fois que l'aspect sanitaire sera réglé, je vois déjà, et j'en ai l'exemple en Suisse actuellement, on a des championnats de football qui ont repris, mais des équipes qui doivent jouer 3 matchs par semaine pour rattraper le temps perdu. Donc, je me fais un peu de soucis, je dois dire, pour l'automne, où les sportifs devront faire un nombre incalculable de compétitions pour rattraper toutes celles qu'ils n'ont pas faites. Donc voilà, je reste optimiste, mais prudent aussi pour voir ce qui va se passer en restant dans l'international, en espérant aussi que toutes les fédérations internationales arriveront à surmonter cette crise. Je sais que certaines ont les reins solides, comme on peut dire, et ont réussi à faire des réserves, et financièrement, elles restent relativement stables. Mais du côté du CIO, il y a aussi eu, et j'en parlais au début, une aide et un financement avec la Confédération helvétique, le gouvernement suisse, pour aider ces fédérations internationales, parce que si elles rencontrent des problèmes majeurs, je n'ose pas imaginer au niveau des fédérations nationales et par cascade des clubs. Et comme le disait la plupart d'entre vous, au final, on aimerait que l'athlète soit soutenu. Donc, c'est toute une chaîne où, ben, comme vous le savez, le maillon le plus faible fait que la chaîne tient ou ne tient pas. Donc je m'arrête là, mais effectivement, je reste prudent, mais optimiste. Merci beaucoup, Monsieur Yassine Ousfi. Je voudrais vous proposer, si vous me le permettez, des questions des participants, que je remercie beaucoup pour leur fidélité, pour leurs questions pertinentes et puis pour leurs commentaires encourageants et fort sympathiques. Alors, une question de Ali Aboulouafa qui dit « Est-ce que les programmes de la solidarité olympique ont été reportés ou annulés ?» Peut-être que c'est une question pour vous, Monsieur Yassine Ousfi. Je remercie l'auditeur parce que ça veut dire que le téléspectateur, parce que ça veut dire qu'il connaît nos programmes, ce qui est déjà très bien. Je l'en félicite. Alors, et je vais répondre. Yassine, juste pour vous dire, le comité olympique a organisé une journée dédiée spécialement avec les fédérations, avec les directions techniques des fédérations, pour leur présenter et leur expliquer tout votre programme de la solidarité olympique. Je vous en félicite, comme je vous félicite pour ces initiatives de vidéoconférences. Ça ne me surprend pas ce que vous me dites. Donc, pour répondre à la question qui a été posée par Ali, c'est non, bien sûr, les programmes ont absolument pas été annulés. Au contraire, nous, on est en train de travailler, puisque vous connaissez les programmes, sur le plan 17-20. On est en train de terminer ce cycle-là. Tant bien que mal, je dirais, parce que on a dû reporter certaines activités dans le cadre de mes programmes dont je m'occupe des entraîneurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été, des centres ont été fermés, donc on a dû reporter un certain nombre d'activités. Je dis entre parenthèses, mais ça a été évoqué aussi, je profite pour dire que cette crise a catalysé beaucoup de choses. Par exemple, et le secrétaire général l'évoquait, on avait l'idée déjà depuis plusieurs années de faire des formations en ligne. Et là, tout d'un coup, il a fallu le faire. Donc, face à cette obligation, on a des initiatives magnifiques qui ont été boostées, si je peux dire, par ça. Je reviens à la question. Donc, on va terminer le 17-20 et on est en train de travailler actuellement sur les programmes de 21-24 avec cette transition de quelques programmes dont je vous parlais tout à l'heure pour que les athlètes puissent continuer à aller se préparer
sur Tokyo 2020, qui aura lieu en 2021. Mais les nouveaux programmes, le 1er janvier, l'idée, c'est que le 1er janvier 2021, les nouveaux programmes soient accessibles à tous les CNO pour le plan 21-24 qui nous amènera à Paris. Merci beaucoup. Une autre question de M. Mohamed Gersh. L'objectif principal d'un athlète national d'élite est de jouer des compétitions internationales. Comment voyez-vous des pelouses vides ou un public avec des masques plus la distanciation sociale? Ça va être un petit peu quand même l'avenir des événements sportifs. Peut-être une réponse du médecin, docteur Mohamed Diop. Oui, je pense que c'est le médecin et le sportif. C'est cette capacité d'adaptation qui est pour moi, à mon avis, la caractéristique du sportif de haut niveau. On a besoin de s'adapter. Maintenant, il faut avoir des masques, il faut respecter la distanciation. C'est nécessaire. Et les sportifs sont obligés de s'adapter. Je pense que, il faut tirer l'aspect positif de la chose. Parler du domaine de santé. En Afrique, comme vous le savez, c'est les maladies infectieuses qui sont les plus dangereuses. Aujourd'hui, les mesures barrières vont être pour nous la première protection par rapport à toutes ces maladies infectieuses qui tuent beaucoup plus que le Covid. Donc, le Covid va nous permettre aujourd'hui d'éviter toutes ces diarrhées, etc. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et c'est le devoir du sportif de haut niveau de s'adapter. Et cette situation-là nous a montré plus d'humanisme dans le sport. Avant, tout était programmé. 4 ans avant, au jour même, tout était fait. Aujourd'hui, on se rend compte que ça peut ne pas se faire. Et tout ça, les gens vont l'intégrer dans la planification avec des plans A, plan B, etc. Je pense que c'est... Merci beaucoup. Madame Sandra Sassine, le public canadien est un grand public des grands événements sportifs. Est-ce que maintenant, faire des matchs de hockey sur glace sans le public, est-ce que ça le fait? Oui, c'est certain que ça va avoir un impact, mais je ne crois pas que ça va freiner nos joueurs d'aller jouer et de s'adapter, comme le dit docteur Mohamed Diop. Je pense que le pouvoir d'adaptation, il est là, il est nécessaire. Et on a vu comment les athlètes se sont adaptés dans cette période-là et ils vont devoir aussi s'adapter. Et ça, autant du côté des athlètes, mais aussi au niveau des fans. Et je pense que... Tout le monde va être au rendez-vous parce que on a envie que ça fonctionne, mais que ça se fasse de la façon la plus sécuritaire. Donc, il va falloir que tous s'adaptent à cette nouvelle réalité. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure, je voudrais juste rappeler à nos participants la question que j'ai posée en début. Pourquoi nous fêtons la journée olympique le 23 juin? Donc, n'hésitez pas à donner vos réponses. On vous donnera la bonne réponse tout à l'heure. Alors, pour faire un tour, je dirais, de table, virtuelle, bien sûr, pour conclure, je voudrais donner la parole au professeur Thierry Zins. Quelle conclusion? Je vais rejoindre Yacine dans une partie de sa réflexion. Il faut savoir que le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a sollicité la famille olympique pour lui demander de formuler des propositions pour le futur. Et avec un collègue allemand que certains d'entre vous connaissent, j'ai eu l'occasion de lui soumettre quelques suggestions. Et toujours avec cette approche managériale, comme le disait Abdelatif tout à l'heure, eh bien, je pense que nous devons plus que jamais éduquer les responsables du sport à servir le sport plutôt qu'à se servir du sport. Je pense que cette crise a révélé combien l'éducation et l'éthique doivent être centrales pour orienter le sport à l'avenir. Je pense que nos fédérations internationales et par conséquent nos fédérations nationales également doivent veiller à élaborer des stratégies de développement à long terme. On a pu remarquer au cours de cette période que certains vivaient trop au jour le jour et n'anticipaient pas sur le futur. Je pense également que pour nos fédérations sportives et pour nos comités nationaux olympiques, diminuer la dépendance aux subventions des autorités publiques, si cela est possible, est aussi un critère important. En augmentant l'indépendance de nos organisations,
mais nous allons pouvoir encore davantage les éduquer à la transparence et à la responsabilité sociétale. Et je crois finalement qu'il s'agit également d'éduquer les futurs responsables à la soutenabilité pour faire face à la crise que nous venons de vivre et malheureusement à celle que nous risquons de devoir encore affronter dans le futur. Et alors, si j'ai mis une photo et une citation de Madiba en dessous de ma présentation, c'est simplement pour que nous nous rappelions, et je pense que les faits le montrent, que nous ne sommes pas tous égaux dans le temps et dans l'espace face au sport et que ceci exige une solidarité majeure de la part de chacun d'entre nous. Et si ceci pouvait être un enseignement de cette crise, on aurait déjà gagné beaucoup à être davantage solidaires. Merci beaucoup, professeur Thierry Zins. Je rappelle que votre présentation sera partagée avec tous les participants. Ils peuvent la télécharger, ils peuvent la consulter sur notre site et qui s'affiche sur l'écran. Merci beaucoup. Je voudrais écouter Monsieur Yassine Youssefi par rapport à ce qu'a dit Thierry Zins. Et quel est votre mot de la fin de cette, je dirais, de cette visioconférence concernant l'impact du Covid? Non, mon mot de la fin va être très, très bref. Je pense que c'est qu'à long terme qu'on va pouvoir mesurer exactement l'ampleur des changements qui ont résulté de cette pandémie. Je reste optimiste, encore une fois. Il y aura beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Pas tout le monde va passer cette crise de manière satisfaisante. Il va probablement rester personne sur le côté, comme dans toutes les crises. Mais j'aimerais juste rester alors sur un message beaucoup plus positif. Je pense que ce que je retiens personnellement, et peut-être aussi pour boucler la boucle en revenant en Suisse, contrairement à l'Afrique qui est probablement beaucoup plus conviviale et où on s'occupe beaucoup plus de l'autre, en Suisse, ou en tout cas, cette crise a donné un élan de solidarité qui était exceptionnel. Les gens ont commencé, et c'est malheureux à dire, mais grâce à cette crise ou à cause, les gens ont commencé à s'occuper beaucoup plus de l'autre. Et moi, je retiens ça. Des jeunes se sont occupés des plus vieux pour aller faire leurs courses, pour aller faire... Et là, je sors du domaine du sport, je fais purement du social, et je pense que c'était très, très bien. Et il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup d'innovations. Et je parlais de la citation, de la créativité dans la citation. Donc, il y a eu aussi beaucoup de créativité. Et pour terminer, puisqu'on parlait de sport et des athlètes, moi, je retiens aussi que hier, pour la journée olympique, normalement, ça se passe dans chaque pays. Chaque CNO organise soit une journée, soit quelques jours, soit même une semaine olympique. Et là, à cause, encore une fois, ou grâce, je dirais cette fois volontairement, à la crise, il y a eu un nombre incalculable d'athlètes et de gens qui se sont mis à faire du sport grâce à la technologie, virtuellement. Il y avait 20 fuseaux horaires qui étaient couverts, et d'Océanie en Afrique, en Asie, tout le monde a bougé au même moment, et c'était juste magnifique. Et au centre de ça, il y avait des athlètes de haut niveau qui, comme vous l'avez dit, ça a été répété plusieurs fois, se sont investis et ont donné de leur personne pour motiver tous ces gens-là. Voilà ce que je retiens et voilà comment je conclurai. Merci beaucoup. En vous écoutant, il y a une question qui me vient en tête comme ça, j'ai envie de la partager avec vous. Peut-être j'attends pas de réponse. Il y a beaucoup de solidarité grâce ou à cause de cette crise sanitaire. Beaucoup de solidarité, beaucoup un élan pour aller vers l'autre, pour faire du sport, pour prendre soin de sa santé. Alors moi, je me pose la question, pourquoi attendre une crise pour être solidaire et pour prendre soin de soi et de l'autre? Est-ce qu'on ne peut pas le faire sans qu'on ait forcément dans une crise? Mais bon, c'est juste une question qui me vient et que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être un mot de ma fin pour Madame Sandra Sassin. Oui, ben écoutez, c'est certain que je peux pas passer à côté du travail immense que notre commission des athlètes a fait, qui a mené toutes les prises de décision qui ont été établies dans les derniers mois. Et j'aimerais vraiment les remercier profondément parce que la voix des athlètes, vous l'avez tous mentionné, les athlètes ont vraiment pris
un niveau d'engagement qu'on pouvait s'y attendre, mais c'est extraordinaire. Donc, autant au niveau canadien, mais qu'à l'international aussi, la commission des athlètes, faut vraiment ne pas dénigrer cette importance-là. Ça, ils sont vraiment importants dans l'avenir du sport, dans l'avenir du sport de haut niveau. Merci. Merci beaucoup. Docteur Mohamed Diop. Oui, le mot de la fin, c'est que je vous remercie d'abord pour cette plateforme et je souhaite que la communication soit renforcée. On a vu qu'on pouvait beaucoup plus communiquer dans le mouvement du sport. C'est un devoir. Nous devons plus communiquer entre les fédérations internationales, les fédérations nationales, au niveau des clubs. On doit le faire. La deuxième chose, ça a été dit tout à l'heure, qu'il y ait plus de solidarité. Que ce sport soit le rendez-vous du donner et du recevoir. Je pense que c'est ça l'esprit de notre sport, que les riches et les pauvres puissent s'entraider, qu'il y ait plus de parité dans notre sport. C'est une question aussi qui est réelle. Que l'élite et le sportif de la rue, on l'a dit, comment il y a eu des brassages. Voilà, c'est ce message, solidarité et communication. Merci beaucoup, docteur. C'est Abtif Id Mahama. Le mot de la fin. Alors, trois choses. La première, j'aimerais, par rapport à la personne qui a posé la question sur le joueur de haut niveau et les compétitions, rappeler juste que pour être un joueur de haut niveau est d'abord défini par le fait qu'il a une motivation intrinsèque très forte. Et donc, il peut se passer de la motivation extrinsèque que peuvent être les spectateurs et l'environnement. C'est d'abord son projet qui le fait, et je vois Sandra qui est en train d'opiner du chef. La motivation intrinsèque est la chose la plus importante pour quelqu'un qui est dans la performance. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est par rapport à ton observation. Pourquoi faut-il attendre une crise pour pouvoir avancer? Je pense que c'est la nature humaine, la destinée de l'humanité. L'homme n'est performant que quand il est face à des défis. Et les crises sont des accélérateurs de progrès. Depuis que l'humanité existe, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, on a besoin d'avoir quelque chose contre lequel on lutte pour pouvoir avancer. Maintenant, le mot de la fin, et je suis très heureux d'avoir écouter les intervenants, chacun et chacune de son côté. Une réflexion est en train de se faire sur comment le sport va être pratiqué en tant qu'activité sociale, comment le sport va être pratiqué en tant qu'activité industrielle. Donc, il y a un effort de réflexion très, très important. Et pour cela, au niveau du comité olympique, nous pensons à mettre en place très rapidement une académie digitale pour pouvoir cristalliser ces réflexions et auxquelles nous voulons associer l'ensemble des bonnes volontés, vous serez les bienvenus, ainsi que des compétences marocaines. Parce que nous voulons nourrir à travers cette plateforme une stratégie sportive qui s'intègre dans un modèle de développement global du pays. Voilà. Merci beaucoup, Sir Abtif Id Mahama. Merci, Madame Sandrine. Sandra, pardon. À chaque fois, j'écorche votre nom. Sassine, merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, Sir Yassine Youssefi. Merci, Docteur Sir Mohamed Diop. Merci à notre ami Thierry Zin qui était obligé de nous quitter. Alors, si vous me permettez, vous pouvez donner juste la réponse pourquoi nous fêtons la journée olympique mondiale le 23 juin. Simplement parce qu'en 1894, le baron Pierre de Coubertin a créé ou relancé les Jeux olympiques. Et donc, nous avons célébré le 126e anniversaire du Comité international olympique. Voilà. Merci à tous les participants et c'est un plaisir de vous retrouver pour d'autres visioconférences à partir de la semaine prochaine. Merci à vous, à très bientôt. Merci beaucoup, merci.
Merci pour votre temps et votre disponibilité.